Yep les gars, c'est 23MS, on se retrouve aujourd'hui sur Frozenia. Donc voilà les amis, comme vous avez pu apercevoir, ça fait pas loin d'un mois que j'ai pas fait de vidéo sur Frozenia. C'est tout simplement parce que j'avais libre, donc voilà, je suis désolé de vous la pas avoir dit et tout, parce que j'avais plein d'autres vidéos en cours et tout. Donc voilà les gars, j'avais libre Frozenia. Donc en fait, si vous voulez, j'étais saoulé, j'avais vraiment plus rien à faire et tout sur le serveur. Donc j'y live pendant quasiment un mois. Et je comptais rejouer qu'en V7. Mais il s'avérait qu'à ce qui paraît, il y avait des nouvelles personnes et les masses PvP et tout en ce moment. Donc voilà, je suis revenu. Donc voilà les gars, il faut savoir que je recommence de zéro. Mis à part ma monnaie que j'ai gardée. Mis à part ma monnaie qui a été gardée et mes levels comme vous pouvez voir. J'ai tout repris à zéro comme vous pouvez voir, mon dossier il ressemble à plus du tout ce que c'était avant. Donc voilà, là je crois que j'ai 4 P4 en tout. Là j'ai PvP avec un P4, je m'en suis fait 3. Donc d'ailleurs j'ai un direct 2 PvP. Donc là j'ai voilà 2-3 T5. Donc voilà j'ai un petit P4 là, j'ai encore un P4 là, je vais vous montrer vite fait ma base. Un petit P4 c'est ouais, c'est bon joueur encore. Je vais vous montrer ma base. Donc voilà ma base à quoi ressemble à cette potion. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Parce que j'ai trouvé 2-3 pillages au passage pour me refaire un peu aussi. Donc voilà, vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de pioches armure et tout après. Vous allez voir par la suite, de la vidéo. Donc là voilà, ça c'est mon retour PvP. Là je viens de fight, j'ai gagné, j'ai tué un mec HDC. Tac tac, malheureusement j'ai pas pu récupérer l'HDC parce que je suis pas combattant, donc j'ai TP un pote à moi pour qu'il la récupère. Donc voilà encore un P4 là. Tac tac tac. Donc voilà les gars, je suis pas comme vous pouvez voir, je suis vraiment un pauvre. Je suis vraiment pauvre, là vous pouvez voir dans le chat, j'ai plus aucun grade, j'ai plus rien, j'ai juste des kits que j'avais acheté auparavant. Donc les gars, je vais vous montrer vite fait mon FOM. Donc voilà à quoi ressemble mon FOM. Donc voilà, c'est juste pour XP. Donc là il y a vraiment que dalle. Là il y a 3 spawners rapidement que j'avais que j'avais acheté. Et bien sûr un spawner à zombie naturel pour que ça fasse un peu plus de mobs quoi. Et voilà voilà, d'ailleurs je vais vous montrer aussi un petit homme, enfin une petite tour 9 claim de farm que j'ai trouvé. Et c'est là où j'avais trouvé, dites-vous, j'avais trouvé deux pioches farmer il me semble. J'ai trouvé deux pioches farmer dans les coffres là à la zup. Donc voilà j'ai claim ça. J'ai claim ça, j'essaie de le vendre contre 10k monnaie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc voilà. Et là c'est une petite farm à cactus. Faudra juste mettre deux hoopers là et ça sera nickel. Donc voilà les gars, je suis ravi de reprendre les vidéos sur Frozenia. Par contre voilà, je vais être en indé, en indépendant, j'ai pas passé les partenaires là-bas et tout. J'ai juste envie de faire des vidéos quand je veux, donc j'ai pas envie d'avoir des restrictions de 2 fois par semaine ou quoi. Donc voilà, j'ai envie de faire des vidéos quand je veux sur Frozenia, donc c'est pour ça que je demande pas le grade. Et j'ai envie de galérer un petit peu parce que c'était un peu trop simple quand j'étais gradé et tout, j'avais trop d'avantages. Donc là voilà les gars, j'accepte pas les dons ni rien. Du coup voilà, ça va être un gameplay un peu plus. Mais j'ai commencé, dites-vous, j'ai commencé hier à 22h, 21h, 22h, c'était le 25. Là, je vous parle, il est 15h, j'ai déjà 4 full play 4 et 3-4 T5. Faudra que j'essaye de me faire une T5 Ice et j'irai PvP avec aussi. Et donc voilà, juste avant, les amis, je tenais à annoncer l'ouverture de Alcazia V10.9. Donc voilà, c'est leur. C'est encore une nouvelle version d'Alcazia. Ils ont fait masse com et tout. Il y a un beau petit trailer de 30 petites secondes que je vais vous mettre juste après parce que franchement il est grave stylé et tout. Et en gros c'est un serveur 1.12 remasterisé full PvP 1.7 à 99%, genre vraiment. On se croirait vraiment sur un PvP 1.7. Et il y a même aussi, comment ça s'appelle, il y a même aussi un logiciel pour parler directement avec les mecs. Genre par exemple j'appuie sur une touche et par exemple le mec là il m'entend quand je lui parle quoi. Et du coup voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi je fais un réel plaisir à la faire avec vous les amis sur Frozenia. Et sur ce... voilà les gars, portez-vous bien et en vous souhaitant une bonne journée et à la prochaine. Donc voilà les gars, juste avant de vous montrer les quelques PvP que je vais vous faire, je tenais à vous dire que juste avant, juste après le combat, je venais de m'apercevoir qu'en fait les PvP à la T4, donc MDR quoi, genre ils prennent hyper cher à la T4, donc j'imagine pas à la T5 ce qu'il aurait pris. Donc voilà, je vais juste vous dire ça, d'ailleurs je vais passer T5 là à l'instant, hop. Et du coup voilà les gars, bonne vidéo. Allez, c'est parti. Qui s'est mis bien nul lui. C'est qui?
Je sais pas, il a un vie. Page d'essai, je l'encule. Oh là là, bizarre. J'ai pas le nier, je peux pas voir qui c'est ça. Quelle classe toi? Un PVP. Ah. Vas-y, si je le drop, je te TP. Pour récupérer ça, je suis moins. T'étais farmer? Ouais, je suis farmer. J'ai bien prendre du poison pour mon KV. Mais ils ont augmenté les dégâts ou quoi? Dégâts, ouais, je pense qu'ils sont battus. Parce que. Ah, deux cœurs par coup, c'est chaud quand même. J'ai quick, t'es besoin de ce si tu peux. Tu l'as quick? Ouais, si tu peux récupérer l'HD 0 vite s'il te plaît. Le reste est scale de récup. J'ai claqué 0 de quoi? Le reste est capable de récup. Ouais, oh putain, des mammouchites il avait et tout. Wouah, 6 points de shit, mais c'est abusé.
mec. Donc voilà, je me promenais tout simplement en nature et je trouve cette petite farm qui est tout simplement unclaim, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, vous le voyez là, c'est totalement unclaim. Et donc voilà, j'ai regardé dans les coffres et j'ai vu qu'il y a vraiment des trucs vraiment de ouf en vrai pour un truc unclaim. Donc je pense que c'est une fac qui jouait plus quand elle était disband, je pense. Donc là, regardez ce qu'il y a. Hop, hop, hop. Il y a plein de trucs intéressants. Là il y a plein de livres, il faudrait que je regarde un peu les bons livres. Là une petite T5 et tout, ça fait du bien parce qu'en vrai j'ai pas grand chose. Voilà, c'est les pièges d'avant qui étaient pas très intéressants. Et là regardez les gars, une pioche farmer. Genre une smite 5, quelques T2. Deux pioches farmer, j'ai pas vu ça. Deux pioches farmer, j'ai pas vu la deuxième. Oh putain. Franchement je suis hyper chanceux là, franchement. Wow. Vraiment pas mal du tout. Pas mal cactus, là il y a des coffres là-haut, est-ce que j'ai vu, voilà. Là, y'a rien, y'a rien. Un peu de canne à sucre. Ok. Et là-bas, y'a une farm à cactus avec des hoopers. Et du coup, voilà, les gars, je vous rends juste vite fait là parce que je viens de voir qu'il y a 56 blocs de jade aussi juste dans ce coffre là. Mais genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, y'a des trucs qui pop. Genre, à chaque fois que je regarde les coffres, je sais pas si je vais encore surpris à voir quelque chose que j'ai loupé, peut-être. Je sais pas. Mais voilà, 56 blocs de jade, c'est cool aussi. Du coup, voilà, les gars, je vous reprends plus tard dès que j'ai trouvé des trucs à piller.